Dans la vallée d'Eau-Claire, une case abritait Paul, sa mère Marguerite, et Domingue leur esclave, et l'autre, Virginie, Sophie de la Tour, sa mère, et Marie leur servante. Élevés ensemble, les deux enfants croissaient librement, sans autre loi que celle de la nature. Invités à une réception donnée par une dame de la société de Port-Louis, Paul et Virginie découvrirent un monde qu'ils ne soupçonnaient pas, celui des adultes, et avec lui l'envie, l'ambition, l'intrigue, le mensonge. Virginie en fut vivement marquée. La sérénité abandonna son front. La tendresse de celui qu'elle aimait comme un frère la troublait, et Paul ne comprenait rien à des caprices si étranges. Un orage s'abattit sur l'île. Dans la fureur de la tempête, Virginie fit un retour sur elle-même et redonna à son ami sa confiance et ce qu'elle ignorait encore être de l'amour. Nous les vîmes dans le calme revenu réconciliés, descendre la rivière sur leur radeau. Elles chantaient. Thank you.